Good morning, allez, Dan, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Avraham Mordechai Ben Yisraël Vafeni Dvora Batester Adel Bat Sol Taab Lebet Vanish et Charlie Shalom Ben Germain Sarah. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah à contacter la 5 minutes éternelle, nous étions Massachati Vamot, Perikut Bet, Mishnah Bet. Chalza Besandal Shel Eino Shelo, O Besandal Shel Etz, O Beshel Smol Beyamin, Chalza Takshira. Chalza Begadol Shu Yachol Le Alech Bo, O Bekatan Shu Chofe Et Rov Raglo. Khalitsata Kshera. Khalitsa Balaila. Khalitsata Kshera. Rabbi Eliezer Posel Basmol. Khalitsata. Rabbi Eliezer Posel Basmol. Khalitsata Psula. Rabbi Eliezer Marchir. On commence cas par cas. On continue à parler de la Khalitsa. Bien sûr, la Mitzvah Khalitsa de routier que la femme, qui ne, si le mari, le Yavam ne veut pas faire le hiboum. Ils devront faire la khalitsa, c'est la femme qui va partir lui retirer sa chaussure et cracher devant lui en disant tout un rituel. Maintenant, comment... Alors on a commencé dans la mission précédente à découvrir quel type de chaussure. Je dis tout de suite, quoi, j'ai un problème, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on appelle sandal et qu'est-ce qu'on appelle minhal. Pour moi, je pensais que minhal, c'est quelque chose qui ferme tout le pied et sandal, c'est quelque chose qui est ouvert. Mais en fait, non, parce que, comme on va voir tout de suite dans le Mishnah, que même le sandal aussi, il couvre une partie du pied. Apparemment, en fait, on parle... Est-ce que ça enferme tout le pied ou c'est juste le devant et le derrière? D'accord? Et donc une lanière qui va rejoindre les deux. Je ne sais pas exactement ça, il y a quelque chose qui manque. Donc en tout cas, je reste maintenant, je reste proche des mots. Khalsa besandal sheno shelo. Premièrement, on s'intéresse d'abord, il faut savoir, il y a marqué dans la Veshalaf Ishna lo. Non. C'est marqué dans la Torah. Hein, il y a dans. Une fois il y a marqué le mot na'alo et une fois il y a marqué le mot na'al. Une fois on dit sa chaussure. Et une fois on dit la chaussure. On apprend de là, s'il y avait écrit que na'alo, alors on aurait imposé que la femme fasse un rituel avec une chaussure qui appartient au mari. Mais si tu me dis le mot na'al, ça signifie que n'importe quelle chaussure, même si elle emprunte une chaussure, c'est bon aussi. Mais alors pourquoi tu m'as dit le mot na'alo? Pour t'apprendre une grande règle, une chaussure qui est apte à être utilisable par lui. Il peut emprunter la chaussure du copain, mais à condition qu'il puisse marcher avec elle. À exclure, si la chaussure est gigantesque. Il fait du 40, le copain il fait du 48 et lui il fait du 38. Et donc le pied il fait que de sortir, il ne peut pas marcher avec. Ça c'est un. Ou encore autre chose, c'est si la chaussure est trop petite. Alors là on va découvrir justement. Khalsa besandal sheno shelo. Si elle a fait la khalsa avec une sandale, sheno shelo qui n'appartient pas au mari. Ou encore au besandal shel etz avec une chaussure, une sandale qui est en bois. Comme le bâton dans le précise, on parle que la semelle, elle est en bois, tandis que le haut, ce qui recouvre, c'est en cuir. Ou bien, obeshel small belamin, ou bien après une chaussure du pied gauche, il a mise sur le pied droit. Dans tous ces cas de figure, khalitsata kshera, la khalitsa le kshera. Parce que, il a, même si la chaussure ne lui appartient pas, tant que c'est une chaussure que, même à posteriori, quand tu es bloqué, au lieu de marcher sans rien, tu peux marcher avec ça dans la rue, ça te va, c'est une bonne chaussure, c'est la khalitsa le kshera. Par contre, khalitsa begadol, et de même, Khalitsa Begadol Shuyachol Lehalechbo. Il a fait la Khalitsa avec une chaussure gigantesque, mais qui peut, grande sur lui, mais qui peut quand même marcher avec lui. D'accord? Je ne sais pas combien de pointures, 2, 3, 4, 5 en plus, je ne sais pas, 5, 5, je ne sais pas. En tout cas, une chaussure qu'il peut quand même utiliser pour marcher avec. Ou bien Obekatan Shuyachol, mais avec une chaussure qui est encore trop petite, mais tant qu'elle recouvre le rov de son pied. J'ai un grand problème pour comprendre ça, mais je vais vous expliquer après c'est quoi ma problématique. Et dans tous ces cas de figure, la Mishnah me dit Khalitsata Kshera, la Khalitsata Kshera. J'ai un problème avec l'histoire du sandal, de la sandale qui est trop petite. On va dire, ouais, mais dès que ça recouvre le rove de son pied, j'ai un problème avec la Mishnah précédente, parce que si tu m'as dit que le Ekev, il fallait qu'il y ait derrière un talon qui puisse, qu'il y ait quelque chose qui retienne le talon de derrière et le devant, donc c'est-à-dire quoi que ça recouvre le rove du pied? C'est juste trop petit, comment il met son pied comme ça qui dépasse. J'ai pas compris. J'ai vraiment du mal. On ne vit plus avec cette réalité. On n'a plus les mêmes vêtements qu'à l'époque. Et c'est un peu dur à comprendre. Est-ce qu'on parle de pied qui dépasse par devant ou... Je ne sais pas exactement. En tout cas, voilà. On a fait les mots de la Mishnah, on les a traduits. Maintenant, Khalitsa Balaila, à part ça, un autre sujet. Ils ont fait la Khalitsa durant la nuit. Est-ce qu'il faut faire la Khalitsa que durant le jour? Parce que c'est-à-dire, la Torah insiste qu'elle devra partir vers Taï et Vimto à Sha'ara. Au Sha'ar. Sha'ar, c'est-à-dire l'endroit du Bet Din. Or, il y a une grande règle. Les jugements, on juge le jour et pas la nuit. Mais c'est pas exact. On doit ouvrir les
procès en journée. Ils peuvent se continuer après durant la nuit. Ouais. Donc maintenant, selon ce principe, il y a une marloquette sur ça, justement. Alors la Khalitsa, est-ce que c'est considéré comme un début de procès ou comme une fin de procès? Quel statut ça? Est-ce qu'il faut nécessairement l'ouvrir pendant en journée, le faire durant la journée en fait? Ou bien est-ce qu'on peut même le faire durant la nuit? Est-ce que la Mishnah me dit Khalitsa balayla? Khalitsa takshara, si on fait la Khalitsa durant la nuit, c'est kasher. Mais Rabbi Eliezer possède Rabbi Eliezer invalide. La halakha, elle est retenue comme Rabbi Eliezer sur ça. D'accord? Maintenant, autre sujet, Khalid Basmol, si elle a fait la Khalid du pied gauche, ils ont mis la chaussure sur le pied gauche. Est-ce que ça marche? Alors la Mishnah me dit, Khalid Sata Psoula, Khalid est invalidée. Rabbi Eliezer marchir, Rabbi Eliezer valide cette fois-ci la Khalid, et sur ça, la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer, c'est-à-dire pour nous, il nous faut le pied droit. Et donc si je récapitule tout à l'heure de la Mishnah, il faut un pied droit avec une chaussure qui doit être recouverte en cuir, mais qui peut avoir la semelle en bois, et même il peut même l'emprunter de quelqu'un, même il prend la chaussure du pied gauche et la mettre sur le pied droit, il faut que ce soit juste sur le pied droit. On peut pas faire la khalitsa dans la nuit, et voilà, essentiellement, il faut une chaussure qui soit apte, malgré tout, à être utilisable. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Tout, c'est là.